Le ministre du Budget du portefeuille de l'État, lui, il a présenté aux députés et membres de la Commission des affaires économiques et financières le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. Ce document définit les orientations budgétaires et économiques pour les trois années à venir. Et il en ressort, entre autres, une hausse du budget de l'État de 20,5% en 2024. Konaté Moussa nous en dit plus. Sur la période 2024-2026, les ressources de l'État seront dominées par les recettes fiscales et non fiscales, les recettes des comptes du Trésor et les dons. Ces ressources représentent 63% de l'ensemble des ressources de l'État, selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel présenté aux députés par le ministre du Budget. L'évolution de ces ressources se présenterait comme suite. Les recettes fiscales budgétaires progresseraient en passant de 6 121,4 milliards en 2024 à 7 718 milliards en 2026. Les recettes non fiscales sont attendues à 122 milliards en 2024 et nous pensons qu'elles devraient se situer à 144 milliards de francs CFA en 2026. Les dons, qui sont constitués des dons programmes et des dons projets, sont attendus à 253 milliards en 2024. Ils devraient sortir à 104 milliards de francs CFA en 2026. Les ressources des comptes spéciaux du Trésor, qui sont des recettes affectées, passeraient de 1 246 milliards de francs CFA en 2024 à 1 549 milliards en 2026. Concernant les dépenses de l'État pour les trois années à venir, elles prendront en compte les priorités du gouvernement dans le domaine de la santé, l'éducation et le logement. Au titre de l'éducation, les crédits alloués à ce secteur devraient passer de 1 743 milliards en 2024 à 2 028 milliards en 2026. Au titre de la santé, le montant annuel moyen de 650 milliards de crédits budgétaires est programmé sur la période 2024-2026. Au titre des logements et équipements collectifs, les interventions de l'État se poursuivront dans le domaine des logements sociaux, des transports, de l'approvisionnement en eau potable et du développement des infrastructures énergétiques. À ce titre, les allocations budgétaires atteindraient 1 706 milliards de francs CFA en 2026 contre 1 356 milliards de francs CFA en 2024. Selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026, le projet de budget de l'État pour l'année 2024 pourrait connaître une hausse de 20,5% par rapport à 2023 pour s'établir à 14 888,5 milliards de francs CFA. Ce budget devrait s'accroître en 2025 pour atteindre 15 301,5 milliards de francs CFA et 16 627,5 milliards de francs CFA en 2026.